la braquer celle-là ou quoi? Vas-y, on regarde. Gros con. Oui. Oh mec, on peut. Oh putain. On braque ou pas? Attends, attends, je vais boire. Ouais. J'ai une bonne voiture, ouais, j'ai la voiture. Vas-y, t'es prêt? T'es là? T'es les gars, ça braque, hein. Putain. Je pense qu'il a des quoi. De quoi? Y'a un problème? Quoi? Mais comment ils savaient? Comment ils savaient qu'on était là? Bonjour. Bonjour. Vous savez ce que vous avez fait quand même? Bah rien du tout. Genre, du tout? Bah j'étais acheté du pain et de l'eau. Attendez, je suis fou. Pain et de l'eau, hein? Bah, voulez-vous montre... Et j'ai rien voulu. Voulez-vous que je montre mon compte en banque? J'ai absolument catchy. Du pain et de l'eau, et on a reçu la notification comme quoi il y a un braquage qui était en cours dans cette super. Bah c'est peut-être le mec qui est passé avant moi là, qui a pris cette voiture là. Les pistes nous appelaient, hein. Ça doit être le mec que j'ai vu, il a pris cette voiture là. Et je sais pas, après il est parti. Son pote est venu le chercher. Putain, je bégaye. D'accord, ouais. Bah, si j'avais fait le braquage, j'aurais de la thune, non? Enfin, je pense. J'en ai jamais fait. Placez-vous déjà face au mur, s'il vous plaît. Oh. Quelqu'un fouille, s'il vous plaît. Le disque, mais c'est important, c'est une fouille, hein. L'individu n'a rien de dangereux sur lui. Individu à quoi? Comment? Rien de dangereux. Rien de dangereux. Vous avez de carte d'identité sur vous, monsieur? Ah oui, j'ai tout. Je suis pas un mauvais mec, hein, j'aurais pas. Je suis regardé. Je peux pas faire ça. Attendez, faut peut-être que je. Attendez, je bouge un tout petit peu. Attends. Ça marche. Ça veut pas. Ça marche pas. Ça me dit que vous êtes fouillé par le FBI. Attendez, c'est deux. Bougez pas, vous êtes noté. J'arrive pas à accéder à mon inventaire. Non, bah vous êtes menotté. Du coup, je viens de vous fouiller, effectivement. Vous avez vu, j'ai pas d'argent, sur... enfin, j'ai rien. C'est le véhicule là? Non, c'est pas le mien. Vous avez annulé le braquage. Vous avez annulé le braquage, hein. Vous étiez tout seul dans l'ensemble de Superette. J'ai tenté de forcer le coffre. Effectivement, en tentant de forcer le coffre, on a reçu une notification comme quoi il y a un braquage super est en cours. Bah, c'était peut-être le mec que je dis qui est passé juste avant moi, hein. C'est possible. Oui, la personne juste avant vous, oui, d'accord. Donc une personne... Vu, monsieur, parce qu'on est arrivé de tous les côtés, en fait. Ah bah, je sais pas. Une personne en courant, même une personne en véhicule qui serait partie rapidement, on l'aurait remarqué. Bah, les... Vous avez juste mobilette. À nous dire... Comment? Il était parti en mobilette, avec un pote. Mobilette. On l'aurait croisé, hein. Ah bon? Vous l'aurez croisé, vous êtes sûr? Évidemment. Vous êtes certain? Ah, monsieur, il y a une unité carrée par ici, une autre par ici et une autre par ici. Bah, je sais pas alors. Vous avez peut-être dû. Bah, peut-être qu'ils sont partis dans un autre endroit. Hein. Où ils se sont cachés? Ah, vous avez vu, j'ai absolument rien. J'ai 4 chiffres. Non, mais oui, vous avez absolument rien, mais vous êtes dans l'ensemble de la supérette où il y a eu le braquage. Donc. Cette personne s'est habillée comment, dites-moi? Vous avez 3 secondes pour répondre. Elle est habillée avec un. Vous savez, un t-shirt un peu comme Louis Vuitton, un peu. Enfin, un pull un peu Louis Vuitton. T-shirt un pull. Mm-hmm. Bah, enfin, je sais pas comment expliquer ça, un peu un survêt. Ouais. Et après, elle était en pantalon, bah, un peu comme vous savez, un peu comme le Barça, un survêt de Barça, non, un peu noir. Moi, je trouve ça hésite un peu quand même. Et les chaussures?
Chaussures, c'est un peu comme les vôtres là. Je trouve que ça hésite un peu. C'est un peu trop précis, je pense. Puis les chaussures, ça m'étonnerait que vous ayez regardé. Après, c'est un avis personnel. Bah, si, on a discuté vite fait parce que je suis un peu nouveau et je lui demandais qu'est-ce qu'il faisait comme taf. Parce que moi, je suis fermier, je voulais savoir si. J'aimerais bien passer mes canaux et je lui demandais s'il connaissait des contacts. On va voir s'il y a des caméras ou pas. Je vais demander à l'épicier. C'est des caméras, finalement. Je vais le démenoter, vous allez le remenoter, d'accord? Vous l'emmenez au poste avec vous? 4. On met tout face au mur, s'il vous plaît, monsieur le fermier là. Wouh! Je suis dans la merde de la merde là. Je peux vous montrer ma carte d'identité si vous voulez, l'ai là, c'est bon, ça marche. Ah, je vous ai fouillé, j'ai vu déjà votre carte d'identité. Ah bah. Qu'est-ce qu'on fait? On le met en garde à vue? Je vais demander. Je pense qu'il serait préférable là. Effectivement, c'est de voir au niveau des caméras déjà. Et le monsieur, ce qui me paraît bizarre, c'est que le monsieur est tout seul dans l'enceinte de la supérette. Ce qui nous dit qu'effectivement, des deux individus seraient partis en billette. En fait, j'étais avec un pote, mais son cerveau il s'est éteint. Genre, il a eu un problème. Plusieurs versions là, monsieur, quand même, hein, c'est assez bizarre. Vous dites qu'il y a une personne qui part sur mon billet. Oui, mais en fait, mon collègue il est arrivé, il a eu un problème de cerveau. Il va sûrement revenir. T'arrives à quel véhicule, monsieur? Bah, ça a tout, enfin, c'était le sien, mais vous savez, quand on perd, ça réinitialise. Ouais, ça me paraît louche tout ça. C'est New Start, ouais, c'est bon. Emmenez-le déjà au commissariat. Emmenez-le déjà au commissariat et faites donc ce que vous voulez. Hein. Si vous pensez que le monsieur doit on prendre. On n'a pas les preuves officielles, mais. J'arrive, je vais demander. C'est avec qui? Je bégaye, des fois. Parce que ce qui me paraît bizarre, monsieur. En toute honnêteté, je pense que ce soit vous, mais après, on n'a pas les preuves pour vous mettre en garde à vue. Ce qui me paraît bizarre, c'est que le monsieur, en fait, est le seul à l'intérieur, qui nous dit qu'il y a un véhicule, puis après son collègue a disparu. Bah, vous voulez son numéro de téléphone qui est parti. Non, mais ça va être de toute façon les agents là qui vont s'en occuper. Mais oh, merde, les gars. Il est clair et net que dans tous les cas, là, actuellement, là, vous allez pas repartir comme ça. Ah ouais, bien sûr, mais si vous voulez, je peux vous montrer mon numéro de téléphone de mon pote. Genre, il était avec moi et bah, il a un problème de. Je sais pas, il y a des problèmes, je crois, sur la ville. D'accord, et pourquoi il y a eu un braquage alors? Ah bah, ça, comme je sais pas, genre, quand les autres personnes sont arrivées avant moi, peut-être qu'ils l'ont fait, je ne sais pas, je peux pas savoir. Je sais même pas comment on fait pour faire un braquage. Genre, je vous dis, je suis nouveau sur la ville, ça fait un jour que je suis arrivé à peu près. Et j'ai juste acheté du pain et de l'eau parce qu'on m'a dit que si je mangeais pas, après, je pourrais finir aux urgences. Mais lâchez-moi! Ils vont vous en braquer à vous ou vont juste braquer la supérette? Ils m'ont pas fait de mal, hein. Moi ils m'ont aidé, ils m'ont dit que si je voulais faire mes canaux, fallait que je postule à Pôle emploi dans une rubrique wishlist. D'accord, et après ils ont rien sorti, pas de gun ni rien, ils ont braqué la supérette. Bah en fait, je suis arrivé, ils sont sortis du. Je sais pas, du fond du magasin, ils m'ont dit bonjour, et j'aurais dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Et bah après on a discuté, voilà, et j'aurais demandé ce que je viens de vous dire. Cagoulé? Non, pas cagoulé. Pourquoi vous avez pas appelé la police? Je sais pas comment on fait. On fait comment? Je sais pas comment on fait. Non, je sais pas. Je dis, je viens d'arriver, il y a même pas. J'ai attaqué la ville il y a vraiment pas longtemps, il y a un jour. Donc vous êtes sûr que vous avez pas voulu mettre un coup de pied au coffre là-bas? Au coffre? Alors, moi, ce qui me paraît très bizarre, c'est que là, en fait, vous dites qu'il y a des individus qui ont fait telle et telle chose. On reçoit une annonce comme quoi apparemment il y a un braquage de supérette, mais vous trouvez pas ça normal qu'il y ait 28 agents qui débarquent devant la supérette, armés, qui limitent à vous viser, et à l'intérieur, vous trouvez pas ça bizarre avec des gens quand même forcent un coffre ou quoi que ce soit? Mais je suis arrivé, ils sortaient de la. Enfin, je les ai pas vu forcer le coffre ou quoi que ce soit, je suis arrivé, ils sortaient du fond de la salle là-bas. Monsieur, le braquage a été annulé quand on est arrivé. Ah bon? Et vous étiez à l'intérieur. Hein.
Et on a vu personne arriver quand entre le braquage, quand est-ce qu'il a été annulé. Je sais même pas qu'on annule un braquage ou quoi que ce soit. Je sais même pas comment ça. Quand on fait un braquage, ça le fait jusqu'au bout, non? Je sais pas. Tu sais, si vous avez forcé, ou vous avez activé la chose, vous pouvez nous le dire, mais. Ah non, non, mais j'ai rien fait. De toute façon, s'il y a des caméras de surveillance, vous verrez bien. Oh, je suis dans la merde. C'est ton Dax. Mais par contre, du coup, vous pouvez me dire comment on fait pour appeler les policiers pour que je le sache pour la prochaine fois. Très bien, on fait comment? Bah, sur le téléphone, mais je sais pas comment il marche le téléphone. J'ai pris un ticket de bus, en fait, les caméras, c'est le dieu qui peut voir, si tu vois ce que je veux dire. Bon, allez, on repasse. Je prends la tour. Tu m'as dit quoi? J'ai dit. Je suis dans la merde, les gars. Que c'est un dieu qui doit confirmer les caméras. Ouais, je sais, je sais. Ce véhicule là, il appartient à qui, monsieur? Aucune idée. Vous êtes arrivé comment ici, vous? Bah, je vous l'ai dit, c'est mon pote qui m'a amené avec sa voiture, et comme je lui ai dit, bah, c'était sa voiture, ça l'a déconnecté. Enfin, son cerveau il est parti dormir, et. Bah, vu que c'était sa voiture, vous savez, ça revient dans le garage et tout. Bah, je suis sûr de ça, ouais. Est-ce que quand une personne s'en va de la ville, sa voiture également s'en va? Je sais pas non plus. Bon, en tout cas, tout a disparu. Genre, j'étais avec lui et pouf, genre, je l'ai appelé, il a pas répondu. Du coup, je me suis dit, je pense que c'est ça. Hein. Attends, au pire, je peux essayer de le rappeler si vous voulez. Hein. Je vais essayer de le rappeler. Waouh, mais mec, je suis dans une merde, les gars. Oh là là. Allez, laissez-moi partir, putain. C'est moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. Attendez, je vais demander. Merci, merci. C'est votre carte, s'il vous plaît. Le? Votre carte d'identité. Attendez. Attendez. Pardon. C'est bon, là, vous la voyez? Merci. Les gars, est-ce que je prends la voiture et je me casse? Ça risque, non? C'est risqué, les gars, de partir comme ça en voiture là. Ils ont ma carte. Hein. D'accord, tenez. Merci, merci. Je vais le faire mieux. 06, est-ce que vous avez devant vous le trio? Attendez, vous pouvez répéter, il y a la pluie, j'entends. On peut pas rentrer dans le magasin. Entrez, allez-y, on rentre. Parce que j'entends pas trop avec la pluie. Ah bah beaucoup mieux. Tu sens que t'as pas fait exprès de mettre un coup de poing. Bah, peut-être que quand je suis allé voir, ça a déclenché sans faire exprès, mais ça m'étonne rien. Enfin, vu que je sais pas trop comment ça marche. Derrière là, suivez-moi. Vas-y, je me suis. C'est allé là-bas ou quoi? Bah, je suis allé voir, je les ai vus là-bas les deux mecs. Mais je sais pas, ils sont partis, enfin. C'est con. Ouais, là, y'a un coffre ici. Où, il est où? Là, le coffre. Là, ouais. Est-ce que vous avez essayé de... Comment faut faire? Genre... Faut le taper... Comme ça... Est-ce que j'ai... Comme ça là? Oh merde, ouais, excuse-moi. Quand, de taper ça, le coffre, s'il vous plaît. De taper le coffre, vous voulez dire? Oui, de taper le coffre. Bah... J'ai clic droit, non? Ça marche pas sur moi. Pardon? Oula, je comprends pas le bagage, monsieur. Bah, de taper le coffre, ça marche pas. Genre, j'arrive pas à le débrouiller quand je suis comme ça. Enfin, vous m'avez compris. Est-ce que vous êtes venu exactement ici, monsieur? Ah, en gros, je monte. Je suis arrivé ici, j'ai vu deux mecs comme vous là. Vous faites quoi? Attendez, prof, vous êtes venu ici?
Bah parce bizarre que bizarre quand même. Des... Une... En gros, j'étais sur. Dans une supérette, vous venez. Oui, mais j'entendais crier. Oui, mais en gros, j'étais sur crier, j'entendais des voix. Genre, j'étais comme ça là, et j'entendais des gens parler. Vous entendez parler de ici jusqu'à tout là-bas quand même. Bah non, bah juste là. Mais c'est comment vous appelez ce pays, attendez. Juste ici, regardez. DJ le fermier. Là. Qu'est-ce que vous foutez ici? C'est ici, on entend largement ici. Ici à là-bas, on entend. Ok, 06, on va faire un test. Vous me dites si vous m'entendez. Test, est-ce que vous m'entendez? Ouais, on entend. 06. 06. Première radio quand tu veux faire un test. Je te... 06, est-ce que moi... Oui. Ouais, on vous entend. Mais reste là-bas, pour voir si tu m'entends. Ah. Ouais, on entend. 06, vas-y, dites le numéro. Mais c'est pas cohérent s'il nous entend là-bas, c'est que lui, il est désoré de je sais pas quoi, là. Tu veux tout entendre là-bas. Et c'est pour voir? Même. T'entends quand tu cries fort, hein. De là-bas, mais faut pas prendre en compte. C'est toi, tu rends fou, gros. Toi-même, tu sais que c'est pas... Ah, regarde, je vous ai entendu, hein, monsieur. Genre, vraiment, c'est, je mens pas, hein. Genre, j'étais ici, j'entendais des gens parler. Toi, j'ai dit quoi, alors? Vous avez dit 06. Tout. Enfin, vous avez parlé qu'en gros, les oreilles, je sais pas trop quoi, j'ai pas tout compris. Si vous voulez, dites un chiffre là-bas, je peux vous le redire, hein, y a pas de problème. Hein. Parce que je sais pas comment ça marche, je crois qu'il y a un délire avec parler. Fin... Non, mais ça dépend de ma voix aussi. On n'a pas tous la même voix. Allez, putain, j'en ai marre. Comment faites-vous, monsieur? Comme vous voulez, hein. Moi j'aimerais bien aller un petit peu travailler parce que je suis à niveau argent, je suis pas fifou. Enfin, j'ai un peu d'argent, mais c'est pas fifou non plus. Hein. Si je pouvais aller travailler, retrouver mon taf de fermier, ça m'arrangerait bien. Hein. Bon, ça se fait que l'épicier nous a dit que. Oh non. Quand la personne a arrêté de forcer le coffre, on était sur place, il y avait que vous dans l'épicerie. Ah, je sais pas du tout. Ah, je sais pas. Bien, je sais pas vous expliquer. Un coup de pied dans le coffre. Sans volontairement. Bah, peut-être que j'ai appuyé sur une touche, je sais pas sur mon clavier. Parce que moi j'avance. Pardon ? Oula, pardon. Ah, c'est pas un chinois, pardon, s'il vous plaît, monsieur. Parce que là, ça fait. Je comprends pas le langage. C'est... Excusez-moi, comme j'ai dit, je suis très très nouveau. Et peut-être que ça va être le gol. Je disais, quand j'avançais et tout, peut-être que j'ai pas fait attention et ça m'a malencontreusement appuyé, mais je suis pas certain du tout. Hein. Ça l'aurait fait. Vous savez, monsieur, je suis persuadé que ce soit vous, mais on n'a aucune preuve en fait. Donc, mais là, je suis en contact. Bon, au pire, là, vous voyez avec. Au pire, vous avez ma carte d'identité, vous voyez à quoi ressemble. Vous avez de la chance que les caméras là-bas soient éteintes. Hein. Il y en a une là. Ouais. Je pense qu'elle est allumée. Faut demander. Faut demander à l'épicier. Du coup, je peux aller travailler ou je dois encore répondre à vos questions? Attendez un peu. Parce que là, j'aimerais. Il manque. Faut que j'aille payer mes frais d'infirmier. Attendez, il y a une deuxième caméra là-bas. Je demande à l'épicier si. Est-ce que vous pouvez aller sur l'épicier si elle est ouverte? Ouais, mon téléphone. Dans l'application Discord. Ah, sur le téléphone? Ouais, l'application Discord. Ouais. Dites-moi ce que je veux dire, hein, dans votre tête. Oui. Vous allez dans attente de support. Dans votre téléphone. Attendez. Mais de quoi je parle? C'est... Ah oui. Monsieur. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est long. J'y suis dedans. Restez là, on va prendre en charge. Tu peux aller travailler du coup? Attendez un peu. Pour avoir confirmation. Confirmation des caméras, bien évidemment.
pour voir si vous êtes, s'il y avait vraiment deux personnes dans cette salle là, ou est-ce que c'est, ou est-ce que je veux dire. Je suis dans la merde, les gars. Oh, je fais quoi là? Là, il me tue en deux secondes. Hein. Barre-toi. Je me barre comment, les gars? Faut pas te barrer. Ils ont des flingues. Vous savez, vous pouvez me le dire hein, si c'est involontaire hein, d'avoir mis un coup de pied dans le coffre. Ah, je vous dis, je pense pas. Hein. Peut-être que c'est moi. Je serais, bah, vu que je sais pas trop comment on fait. Il y a vraiment deux personnes là-bas? Mon souvenir, oui. En fait, j'ai du mal à vous croire, mais je vous crois un peu, mais je sais pas comment dire, monsieur. Ouais, c'est entre. Bah, c'est comme entre vous voulez, hein. Pour moi, enfin, c'est votre travail. Hein. Parce que le truc est cohérent, mais pas trop cohérent, vu qu'il y en avait personne sortir. Après, comme je vous ai dit, hein, c'était en scooter, ça peut aller vite. Hein. Mais le problème, c'est que tous les véhicules de police sont venus dans toutes les voies différentes. C'est toutes les voies différentes, ça fait de voir la carte. Attends, on peut sortir dehors pour regarder la carte. Allez-y. De là, et de là. Donc, peut-être qu'ils ont temporisé dans un endroit, hein. Genre ils sont cachés, ils ont temporisé, ils sont repartis une fois que... Et est-ce qu'on peut appeler un taxi d'ici ou pas? Parce que vu que mon pote est parti, bah je sais pas trop comment faire. Vous pouvez quitter la zone de support sur votre téléphone, l'application Discord, sinon vous pouvez y aller. D'accord, merci. Au revoir. Attendez un peu. Vous m'avez pas dit que je pouvais y aller? Juste dans l'application Discord, vous pouvez quitter le truc. Mais on va mettre les choses au clair, d'accord monsieur? Allez-y, y'a pas de problème. Et étant donné que vous êtes nouveau, ouais. Je vous laisse le bénéfice du doute. D'accord. La prochaine fois que vous êtes supérette, n'allez surtout pas dans le côté là-bas. Ah, ok. En gros, faut que je reste dans le petit côté à droite. Ouais, voilà. D'accord. N'allez pas au côté du coffre, ça appartient au personnel d'accord. À ceux qui travaillent ici, d'accord? D'accord, très bien. Ok. Ouais, bah... on vous laisse monsieur. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée. J'ai bégayé sa mère la pute. Oh là là, je suis pas bon les gars. Oh, j'étais trop dans le mal. Oh, j'ai bien joué ou pas? En vrai les gars, j'ai bien joué ou pas? Oh, j'étais trop. Oh, j'étais pas bien. Oh, j'ai bégayé sa mère. Vous en avez pensé quoi les gars? Dites-moi ce que vous en avez pensé, je vais lire. Vous en avez pensé quoi? Ah, arrête de dire clavier souris, ça j'ai du mal, ouais, j'avoue, ça j'ai encore un peu de mal ça. Ça c'est le temps que j'apprenne ça. Ah, j'en suis pas trop mal sorti en vrai, hein. En vrai de vrai ça passe les gars, non? Ça va, hein, j'ai trop peur que les caméras aillent marcher. Hein.